Bien sûr, il faut tout le temps penser à prendre son équipement de sécurité, c'est-à-dire un couvre-volant et un pare-soleil. Vois-tu ? De merde. Voilà. Très important. Équipement de sécurité pour la voiture. Voilà. Très 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 important. Surtout que c'est la rentrée, il faut pas faire de conneries. Hein. Bonjour, c'est reparti, c'est le mois de septembre, c'est bien, enfin je tourne fin août, mais pour vous c'est le mois de septembre, hein, disons les joies du tournage. Bienvenue, c'est reparti pour les vidéos, ça fait un mois que j'en ai pas fait, donc j'ai l'impression que ça fait juste un bail que j'ai pas fait de, comment dire, de vidéos, on va pas se mentir, hein. Bonjour, au revoir. Ok, merci. Bon, on va à Lille, je vais rendre définitivement mon appartement. Ne touche pas à ces boutons, merci beaucoup. Mais je sais pas, il y a de la buée sur ton carreau. Bif. Utilise la technologie moderne pour les buées de ton carreau. Ah. 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 C'est ça la technologie moderne. Bon, t'inquiète pas. Donc, bienvenue dans Talassa. Et donc c'est parti, on va à Lille. Je vais rendre définitivement mon appart. Ça intéresse quelqu'un? Non, pas du tout, on y va, quand même. Go. Go. Ce petit vlog, c'est aussi pour moi le moment de pouvoir vous faire un petit retour après un an sur ma Mégane 2, c'est l'instant pareil. Mettre des petits bouts de vidéo, 5 minutes de vidéo carrette, hein, tous les jours, hein. il va les placer parce qu'il peut pas, quand il fait la vidéo complète, une demi-heure, bah, c'est pas rentable, c'est trop. Alors faut mettre des pubs avant après, puis il faut faire 5 minutes de non, puis ça marche pas. C'est comme petit plan en équilibre sur TF1. Je les ai appelés, je leur ai dit, hein, arrêtez vos conneries, hein. Mais ils veulent pas. Alors donc ça fait un an, j'ai remarqué, là on est le combien, on est le 30 août, donc hier on était le 29, et le 29 août, bah ça faisait pile un an que j'avais ma Mégane. Bah, au bout d'un an, on peut du coup vous faire un vrai, avec un gros recul, quelques petits points que je trouve bien et des points que je trouve vraiment pas bien, au bout d'un an qui sont dégueulasses et des trucs comme ça. Bon, c'est une Renault, vous allez vomir, mais c'est à cette époque là où Renault commençait à faire de sacrés moteurs diesel. Donc là, je suis monté en DCI 105, hein, le DCI 105 de 2008, fin 2008. Enfin, c'est surtout qu'en fait, ma Mégane, c'est la finition Exception. C'était une série limitée à l'époque, basée sur la finition dynamique. Et c'est parce que c'était une finition de fin de série, en fait. C'était parce que la Mégane 2 allait s'arrêter au profit de la Mégane 3, qui allait sortir en octobre, je crois. Et donc celle-là, elle est de juin 2008. Et donc, ils avaient lancé une série limitée, Exception, basé sur la finition dynamique, avec en plus les 4 vitres électriques automatiques, la climatisation automatique si je dis pas de conneries, et c'est tout. Après il y a d'autres options bien sûr, essuie-glace automatique et phare automatique, voilà, je m'en rappelle plus. Bref, là n'est pas la question. J'ai eu la voiture, elle avait un peu plus de 99 200 km. Un an après, elle en a 136 639. Le gars a littéralement fait presque 40 000 km en un an. Hein ? J'ai explosé le compteur. Et à part l'entretien régulier, niveau mécanique, bah c'est du Renault. Je n'ai rien eu du tout. Rien, zéro. Spin, pot de balle, que dalle. Rien. Pas de problème mécanique, zéro. Le moteur DCI tourne. Voilà. T'appuies sur le bouton, ça démarre. C'est ce que tu lui demandes. Ouais, t'as fait 37 000, on va dire 37 360 km l'année dernière. Donc là, clairement, c'est rentable d'avoir un diesel. Là, c'est rentable d'avoir un diesel. J'ai fait 37 000 km en un an.
c'est extrême. Niveau mécanique, j'ai eu rien. Que dalle, zéro. J'ai pas eu à me plaindre. J'ai fait les changements de pièces, j'ai eu mes freins à changer, je les ai changés, c'est des pièces d'usure. Les pneus, j'ai changé les pneus, c'est pareil, c'est des trucs d'usure, donc ça c'est normal. Et l'entretien régulier, les vidanges, les changements de filtre, tout ça. J'ai aussi eu un petit souci, qui est une maladie sur les Mégane, c'est ma vitre côté passager. Bah, vous avez su l'histoire, hein. J'ai eu un problème avec la vitre, elle s'était arrêtée en plein milieu, et plus moyen de la bouger. Et en fait, ça devait être le boîtier électronique qui sert pour l'automatisation des vitres. C'est-à-dire, quand vous appuyez à fond sur le bouton pour descendre, la vitre descend toute seule. Vous pouvez relâcher le bouton, elle descend d'une traite. Et ça, il y a un boîtier pour remonter la vitre qui évite que, par exemple, si quelqu'un met sa main, que ça lui coupe la main. C'est-à-dire que la vitre va se couper, va redescendre. Ça s'appelle un boîtier thémique ou un boîtier confort aussi. Et c'est, ça doit être ce boîtier-là qui a lâché en fait et qui fait que ma vitre s'est bloquée. Parce que le moteur en lui-même fonctionnait encore. Donc, j'avais essayé de rafistoler ce système-là moi-même et au final, je m'en suis sorti à plus de 290 euros chez Renault parce que j'ai perdu patience. Ensuite, regardez ceci. Ça, ce que vous voyez, c'est la platine. On va appeler ça comme ça. C'est la platine de bouton de lèvres-vitre. Ça, ça circule ici. La platine de bouton de lèvres-vitre qui est côté conducteur. Donc avec les quatre boutons des vitres, des quatre vitres électriques, plus le bouton de verrouillage des portes arrière. Enfin, c'est un bouton en gros, tu appuies dessus et tu peux plus ouvrir les portes arrière depuis l'intérieur. C'est la sécurité en force. Et bien moi, ça chauffe extrêmement fort à cet endroit-là, précisément. Vous voyez le moteur, hein. C'est que ça chauffe à cet endroit là, je sais pas pourquoi. Mais bon, la voiture n'a pas encore cramé et je compte justement retrouver une platine et le changer. Ensuite, regardez ceci. Ah, je vous jure, les 59, c'est un régal. J'ai juste envie de vous pisser au cul, vous savez pas conduire. Voilà, le message est passé. Donc c'est les éclairages de pas de porte qui sont notés en fait sur les quatre portes de la voiture, hein. Et en fait, bah, j'ai un de ces éclairages là qui est entièrement cassé. Et je me suis mis en tête de le remplacer, d'en trouver un d'occasion, n'importe, hein, pour remplacer. J'en trouve pas. Voilà. Tous les sites où j'en vois, c'est stock indisponible. Des trucs eBay qui viennent du Japon, de je sais pas quoi là. Bah, moi je fous pas les pattes là-dedans, t'es fou, j'ai pas envie de me faire un avec. Donc à ce jour, j'ai toujours un éclairage qui est pété. Voilà, c'est tout, je fais pas plus long. C'était l'instant carrette. Bye. L'instant carrette, il aura duré 10 minutes. Quoi. Je suis censé être à mon appartement avec le proprio à 9h30. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une arme, il n'y a qu'une minute de décalage. Mais on est sur l'île. C'est-à-dire qu'à tout moment, cette minute de décalage de retard peut se transformer en un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Donc est-ce que tu penses qu'on va y arriver? Je te pose la question, solennellement. Ce n'est pas mon problème. D'accord. Tout le temps contre le type. Putain, je sais pas pourquoi faire des routes droites là. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer à cette foutue camionnette qui est juste devant nous qu'il devrait se rabattre s'il peut pas aller à 130? Voilà. Il est à 130. Ah, il est à 130. Bah c'est nouveau, hein, ça vient de tomber, il est en 130. Hein. Breaking news, this camionnette is at 130. Non, en fait il est à 129 ou 128. Ça c'est chiant ça. Putain, ça. Le mec il a 128, genre putain. C'est Cato. Cato, bah ça en fait un beau de Cato. Voilà. Je vais avoir des pendules. Chiez-leur des pendules à la gueule si vous les voyez sur la route quoi. J'ai envie de lui jeter des cailloux. Le mec il jette des cailloux aux gens quoi. J'ai envie de lui jeter des cailloux, je te jure. Des fois ça me prend. Vous allez boucher la voie de gauche, bande d'abrutis! Bande d'abrutis! De toute façon, je t'explique, à ce rythme-là, les trois voies vont être bouchées. Si c'était pas déjà le cas ce matin, plus tôt. Donc là, on est à. Il va déboîter. Aïe. Jamais. Il clignote rien du tout. Il déboîte pas, c'est tout. C'est incroyable. Vous conduisez comme des chiens.
chiottes, les mecs, putain. 59, mais je vous jure. Putain, mais ils conduisent comme de la merde, quoi. Moi, franchement, personnellement, j'aurais honte d'avoir un 59 sur ma plaque. Moi, je le décaperais à la cétone, clairement. Alors, ton clignotant, tu tires ou tu pointes, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ah, putain. Connard. Bon, voilà, opération appartement terminée. J'ai rendu mon appart, c'est fini. Il ne m'appartient plus, vous ne le verrez plus. Vous l'avez vu qu'une fois en plus dans la vidéo. Donc c'est tout, je retourne chez les parents. Définitivement, cette fois-ci. Enfin, définitivement, jusqu'à la prochaine fois. Je sais pas quoi dire. Bien comme ville. Rose, qu'est-ce que c'est que ça? Rose machin, je sais pas quoi là-bas. Ah, c'est un café en fait. C'est un café. Rose café. Il est à côté. Bien, alors, ce qu'il faut que je vous annonce, c'est que en plus de mes vidéos que je fais ici pour l'instant, vu que j'ai du temps pour mes vidéos, pour bosser là-dessus sur YouTube, ce que vous devez le savoir déjà, je vais essayer de faire un live par semaine, le mercredi à 18h. Ouais. Tous les mercredis à 18h, donc je serai en direct sur YouTube, enfin ça se fait déjà, voilà, j'en fais déjà quelques-uns. Mais simplement, voilà, je l'annonce aussi dans cette vidéo. Donc, un live par semaine, le mercredi, à 18h, sur YouTube. J'ai quelques galères avec les PC parce que ça marche pas bien. C'est le logiciel OBS qui me sert pour streamer. Enfin, c'est le PC en lui-même qui marche pas. J'ai des problèmes de connexion Wi-Fi, tout ça. Enfin, bref, voilà, vu que nous sommes sur l'île, on va aller un petit coup à l'île et ensuite ce sera fini. On va rentrer à la maison. Et je pourrai monter ce petit vlog. Voilà. Allez, go! Parking souterrain, hein, le retour. Bonjour. Bonjour, c'est Marc-Olivier Fogiel. Ah ben, il y a vraiment Marco en fait. Super diesel. Alors bien sûr, le truc, si tu passes, il te coupe les pattes. Hein. Bonsoir à tous. Vous appréciez les parkings souterrains comme ça, être sous la terre, parce que sous le terrain. Bonsoir à tous. Comment faire pour se faire entendre dans un parking? Voilà, on est de travers, mais on est bien. Compétences professionnelles pour se garer dans un parking souterrain. On va peut-être faire les malins, ça me casse le cou. C'est validé, le clair cul. Validé. Parce que c'est genre. Alors on va pas faire de bruit, hein. Surtout. Bon, puis bien sûr, c'est moi qui ai tout fait, hein. Hein. Cette petite bannière là, des trucs comme ça, voyez-vous. Voilà. J'ai une préférence très belle pour celle-là. C'est bien fait, hein, quand même. Hein. Le fond, les fonds rouges, et où? Le fond de carrette et le fond de la chaîne. Ils font pas exactement la même taille, hein, on voit sur les ronds, mais bon. C'est fait à la mano. Hein. C'est pas mal, j'aime bien. C'est des polices Apple, ça. Si vous le saviez pas, c'est la San Francisco. Et en fait, bah, c'est pas du tout du piratage ou quoi que ce soit, c'est Apple qui a mis. Je pose parce que bon, j'en ai marre de tenir à bout de bras là. Donc, que je disais, c'est Apple qui a mis à disposition ces polices là, téléchargeables par tout le monde sur internet. Voilà, je vous mens pas, regardez, vous les trouvez partout sur plein de sites de police, c'est gratuit, vous pouvez les trouver gratuitement. San Francisco. Même directement sur le site d'Apple, ils vous disent que vous pouvez les télécharger. Enfin, c'est ça. Pray for la campagne pour les connexions internet. Donc voilà, c'est vous voyez, hein, sur le site d'Apple directement, ils vous mettent et vous pouvez les télécharger directement depuis le site d'Apple. Bon, le problème, c'est qu'elles vont être en format de police pour Mac. Donc c'est chiant si vous les voulez pour Windows. Oui, tout ça, tout le bazar. Tout le framework, voilà. True Type, Anatt, Apple Advance.
Ah, vous voyez, il faut être enregistré apparemment pour avoir le TrueType, des trucs comme ça pour Windows. Mais voilà, c'est la police qui est utilisée ici, par exemple, sur la police du TrueType, machin, truc. C'est de la San Francisco, c'est la police Apple, en fait, simplement. Et vous pouvez la télécharger gratuitement un peu partout, quoi, sur les sites où vous trouvez les polices. Mais j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Voilà, c'est reparti pour une année comme ça, avec ce graphisme-là. Oh, c'est beau! C'est beau! Ah, une dernière chose, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il y a un Instagram maintenant pour la chaîne. Allez-y, cliquez, bombardez le bouton d'abonnement, mais comme jamais, vous n'avez cliqué sur un bouton. Bombardez ça, c'est le nouvel Instagram pour la chaîne, en plus de l'Instagram pour Carette. Donc il y a maintenant la page Facebook et la page Insta pour la chaîne, un Facebook et un Insta pour Carette. Comme ça au moins, vous ne pouvez pas me rater. Voilà. Au revoir!